Mais l'attitude oui, du président, encore une fois, là, Olivier Buzance, elle vous semble plutôt humble, plutôt à l'écoute des maires, elle vous semble factice, France, comme vous le disiez Elle me semble factice, et puis surtout en dehors de la réalité de la situation. On est dans une société qui est en train de craquer. Craquer. Alors on peut faire comme si, parce que simplement, il va parler 3, 4, 5, 6 heures et se mettre en scène que la situation ne craque plus. Elle craque. Elle craque parce qu'on retire des services publics partout, parce qu'on ferme des usines, des usines qui ont touché l'argent de nos impôts. Qui se sont gavés avec ça, qui font des profits et qui ferment quand même, qui laissent des 800, 900 personnes sur le carreau. Oui, Ford bon. à Blanquefort, ça, c'est factuel. Oui. 50 millions d'euros du ça crédit d'impôt. 20 ans qu'on se désindustrialise. Demandez-vous de savoir. Le Alors, le thème qui consiste à dire, on n'est plus attractif et c'est pour ça qu'on se à, désindustrialise. Ah. Ça fait 30 ou 40 ans qu'avec cette politique, en réalité, on donne toujours aux mêmes, qu'on gave les mêmes. Pire, au-delà de cette fiscalité de plus en plus injuste qui fait qu'on quitte un, un principe qui n'est même pas révolutionnaire, qui n'est même pas anticapitaliste, qui est simplement le principe de progressivité de l'impôt, c'est-à-dire de prendre la fortune au fur et à mesure où elle apparaît, de façon équitable. Il y a pire que ça, c'est que l'argent de nos impôts ne sert même plus à financer les services publics qui disparaissent. Elle sert à aller pour les plus grandes entreprises qui ne créent pas d'emplois. Le crédit d'impôt compétitivité, bien sûr que l'ISF, c'est que c'est qu'un. C'est qu'un élément de la discussion. Derrière ça, on parle de répartition inégalitaire mmh. des richesses, le crédit d'impôt compétitivité d'emploi qui a doublé années, sous M. Macron, oui. doublé. Lui qui cherche de l'argent, il en a, il en a pour les mêmes, pour les mêmes. Crédit d'impôt compétitivité emploi qui pour dans entre des entreprises comme La Poste, par exemple, va donner un milliard alors qu'on supprime un emploi. Toutes les 4 heures, à la poste au moment où je vous parle, je vous rappelle que la condition théoriquement pour toucher le CICE, c'est de créer de l'emploi. Non seulement ils respectent pas cette condition, pire, ils suppriment les emplois. Sauf que ça maintenant, c'est même plus le sujet. J'ai envie de vous dire, tout le monde l'a vu. La société, elle a craqué. Donc à partir du moment où elle a craqué, elle a mis des sujets sur la table qu'on va pas régler. C'est fait penser à la blague de Coluche. Euh, la blague de Colus vous savez, c'est euh, expliquez-moi euh, ce dont vous avez besoin, je vais vous expliquer comment vous en passez. On est exactement dans de la communication, Et ça, ça marche plus. Et d'ailleurs, il y a même des maires qui sont obligés de se faire le relais ça parce que les maires ont vu des usagers se mobiliser, par exemple, contre les fermetures de gares, contre la dernière grande réforme, contre réforme libérale où il y avait eu d'ailleurs des grandes mobilisations printemps dernier, qui, au-delà du statut des cheminots. Prévoyait plus la plus importante que celle des gilets jaunes, d'ailleurs, numériquement on parle. Qui aujourd'hui supprime un tiers du réseau ferroviaire pour des raisons de rentabilité. Mm -hmm. Ces questions, elles sont sur la table. J'ai vu. Enfin, moi, je vous avoue que j'ai pas tout regardé. J'ai entendu des mots sur les questions de maternité, de service public de la santé. C'est-à-dire des éléments du concret aujourd'hui, et donc la mobilisation. Pardon de le dire, mais ça sera évidemment par le rapport de force, parce que jamais il le fera. Moi, je me rappelle même de débats qu'on a eu entre nous sur jamais il reculera sur la taxe des carburants. Eh bien, les jamais, des fois, on le remballe. Parce que ça aussi. Alors, là, Vous savez, là, le pouvoir qui est dur et qui ne cède jamais, ça aussi, c'est de la pipe, puis de la grande pipe. Ça, on le sait depuis des années et des années. C'est une question de savoir si, à un moment donné, le rapport de force fait que le pouvoir a peur de plus perdre que de gagner. Et là, on est toujours dans ce bras de fer, en tous les cas, il n'est pas terminé ce soir avec cette mise en scène. Le deuxième extrait que je voudrais vous proposer, c'est sur les 80 km/h, une mesure très impopulaire, a souligné Emmanuel Macron, prise par le gouvernement. D'ailleurs, on voit la mise à distance, c'est le gouvernement qui avait pris cette mesure sur les 80 km/h. Écoutez ce qu'a dit le président et je vous passe la parole après. C'est quoi si. Ça a créé. À votre réaction, ça se voit. Du mécontentement, etc. Peut-être, au fond, tout ça est plus profond et. et Moi, je le vois comme une opportunité. Donc, il faut ensemble qu'on trouve sur ce sujet aussi, par le débat, une manière plus intelligente de le mettre en œuvre. Il n'y a pas de dogme. L'objectif, c'est de réduire le nombre de morts sur les routes. Personne ne peut être contre. Donc, il n'y a pas de dogme. On va pouvoir revenir, moduler ces 80 km/h, Thierry Mariani. C'est euh, Selon les endroits, les routes dangereuses, les moins dangereuses. Mais là, il nous fait un numéro en prenant tous les Français pour des amnésiques. Qu'avaient dit les élus locaux à l'époque Ils avaient dit sur le fond, on n'est pas opposé, mais Laissez-nous choisir quelle route. Moi, j'ai été élu dans un conseil général. Il euh, y a des routes qui sont dangereuses et les élus le savent parce qu'on a les statistiques d'accidents. Et il y a des routes il y a un danger. On a décidé arbitrairement. Pourquoi Parce que là aussi c'est un totem pour montrer que on prend des décisions, qu'on est courageux, etc. On a décidé arbitrairement d'imposer à à tous les, sur toutes les routes départementales, cette norme. Mais résultat, on a eu une levée de bouclier. Pourquoi Parce qu'une fois de plus, euh, les, les habitants de la province se sentent floués. Une mesure totalement appliquée de manière arbitraire. Moi, j'étais maire de Valréas dans le Vaucluse pendant 18 ans. Quand on n'a pas de bagnole ou qu'on n'a plus de permis, euh, et qu'on est, comme c'est le cas pour euh, mon ancienne commune, à une demi-heure d'une gare, mmh. qu'on doit faire des fois trois quarts d'heure de bagnole pour aller à son boulot. Si on n'a plus de permis, c'est la fin de son boulot. c'est voilà. Et cette mesure-là, aujourd'hui, quand j'entends ce numéro nous expliquant, ah oui, on va discuter de tout, bah d'abord, quelle reculade, mais aussi, ils se moque du monde. Ce n'est Dessier... pas un hasard si cette mesure apparemment anodine, à Paris, on a tous applaudi, enfin, presque tous. Euh, que ça a suscité ce, ce type de réaction en province, quand vous fréquentez la province ce qui est mon cas, tous les week-ends vous avez tout de suite senti que ça passait pas mmh. pourquoi ça passait pas, parce qu'ils ont eu le sentiment un, que c'était inutile, parce qu'on va pas rajouter des radars, euh, a priori que les gendarmes peuvent pas être partout, que de toute façon cette limitation de vitesse, elle est respectée par ceux qui de toute façon respectent déjà le 130 km h sur les routes etc, etc, et, et que, que les autres font ce qu'ils veulent, c'est sans doute heureux on mmh. verra les résultats en termes de de, de blessés et de morts. Mais encore une fois, la vitesse modulée, laissant aux régions de décider en connaissant le terrain, c'était le bon sens, c'était l'évidence. Les Allemands font ça depuis 20 ans ou depuis 30 ans. Donc Alors il a fallu la mobilisation des gilets jaunes pour revenir à la Écoutez, je suis de ceux qui pensent que de toute façon, la mobilisation des gilets jaunes sera et aura un effet bénéfique, et pas seulement sur les 80 km/h. Mais il y a pire quand vous circulez un peu. Vous avez parfois sur des distances courtes de 60, de 70 ou de 80 km, vous avez 5, 6, 7, 8, 10 limitations de vitesse. Le 50, le 70, le 90, ça n'arrête pas. C'est inconduisible en France. Il faudrait que M. Macron, de temps en temps, prenne sa voiture et se rende compte personnellement. Je pense que. Pour moi, l'une des clés de ce débat sur les 80 km/h, c'est que le gouvernement n'a donné qu'une partie de son argumentation. Le gouvernement nous a dit qu'ils avaient décidé cette limitation pour réduire les morts sur les routes. La vérité, c'est que c'est fondé sur des études qui sont controversées. Il y a eu des études qui montraient que ça permettait de diminuer les morts. D'autres qui disent que l'impact n'est pas clair. On aura, on aura on pourra se faire une idée, une idée claire. Au bout d'un an, quand on verra si effectivement ça a permis de réduire les morts. Moi, ce que je vous dis, c'est que si au bout d'un an on se rend compte que cette mesure a permis de réduire notablement les morts sur la route, je pense que tout le monde finira par l'accepter. En revanche, et ça, le gouvernement ne l'a jamais dit, euh, la véritable raison de limite, fin, de passer de 90 à 80 km/h, c'est une raison... C'est que pour le coup, toutes les études là sont convergentes et montrent que les émissions carbone. Ah bah, toutes les études, euh, je peux vous les retrouver si vous voulez. La campagne, toutes donc. les études montrent que les émissions carbone au kilomètre sont très élevées à 90-100 km/h et qu'elles le sont beaucoup moins à 80. Or, les émissions carbone de la France sont reparties à la hausse. La France est très très loin de respecter les engagements qu'elle a elle-même pris à la COP21, c'est-à-dire pour l'accord de Paris qu'on a signé chez nous, ce qui est quand même un peu embarrassant. Et cette mesure était une des manières pour le gouvernement. De chercher euh, à lutter mollement contre les émissions carbone. Tant et si bien que repasser à 90 km/h, ah, à je titre je personnel, je ne suis absolument pas favorable. Absolument. Pas pour, même pas pour des raisons de mortalité, parce que encore une fois, c'est controversé, mais à minima pour des raisons environnementales qui, elles, ne le sont plus. Alors, le... Olivier Besancenot nous... hein. oui. oui. euh, si Il existe, il parce existe Parce que le gouvernement n'a pas eu le de il à la campagne, zéro. Alors, Olivier Besançon, sur les Et 80 on parle de km heure. Sur le fait qu'on pourra arriver à une solution oui, peut-être modulée. Genre <laughs> 85, quoi. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être qu'il y a des routes, ça sera ouais. 90, d'autres 80. Parler 50, on verra. Je ne pense pas que la mobilisation s'arrête à 85 km heure. Voilà. Parce que là aussi, on retombe toujours dans la même discussion. C'est-à-dire qu'on a imposé, finalement, à ceux qui payent déjà euh, la, la fracture sociale, la facture écologique. Parce qu'en effet, derrière, il pourrait y avoir des raisons écologiques, mais si on les pose de manière sincère, c'est-à-dire pas hypocrite. C'est-à-dire, pas en nous expliquant qu'il n'y a que le diesel qui pollue, par exemple. Aujourd'hui, on sait que les grands constructeurs automobiles, y compris les groupes français, ont menti sur les émissions de gaz à effet. Euh, et, comment les particules polluantes, y compris sur les moteurs à essence. Le vrai <laughs> dilemme, il est, il est quoi C'est de permettre à la population de se déplacer différemment. Ce n'est pas une question de 10 km heure dont on parle. C'est qu'aujourd'hui, il y a deux salariés sur trois qui n'ont pas la possibilité de travailler là où ils habitent. Et qu'il y a 14 millions de personnes qui sont, dans les faits, obligées. D'utiliser la voiture, ne serait-ce que pour aller travailler. Et qui pourrait facilement, facilement parce que les gens n'ont pas envie de polluer pour le plaisir de polluer gratuitement, pourrait se déplacer différemment, si par exemple on rétablissait ne serait-ce que les lignes ferroviaires dont je parlais. Vous moins d'accidents sur les routes, au-delà en effet des statistiques et des études qui sont très controversées. Arrêtons de saturer les routes de transport routier, qui eux aussi émettent des gaz à effet de serre. Par exemple, en rétablissant le ferroutage. Donc, il n'a pas rétablir. été interrompu le ferroutage, mais il a été diminué. Ah, il a été plus que diminué. On a libéralisé le service public ferroviaire avec des conséquences catastrophiques. On a annoncé des grandes créations d'emplois qui ne sont pas au rendez-vous de ce point de vue-là non plus. Et on a rajouté, du fait des fermetures de lignes et de gares de fret, 1 million chaque année de camions sur les routes. Étonnez-vous après que les routes soient saturées. Qui des routes saturées dit en tous les cas, même si j'ai pas fait l'ENA, je l'imagine, risque d'accident supplémentaire. Donc, on a des si on veut s'attacher, si, si vous voulez discuter de ne pas opposer la question sociale à la question écologique, ce qui, est mon, ce qui est mon cas, il faut discuter du problème à la racine. Pourquoi il y a des millions de personnes qui ont été obligées de quitter les grandes agglomérations et qui se retrouvent dans la situation de ne plus pouvoir travailler la où ils habitent parce qu'en réalité, le travail lui reste concentré dans les grandes agglomérations. C'est parce que les loyers augmentent, parce que le prix de l'immobilier explose. Donc un sujet qui n'est pas tabou et qui devrait discuter en tant que tel, c'est la question du logement, du prix du mètre carré, de la question de bloquer ou pas les loyers, de rétablir les services publics, par exemple du logement, qui est en train d'être asphyxié par le même gouvernement avec les appels, parce qu'à l'heure où je vous parle, les bailleurs sociaux sont dans une dette colossale, et ça aussi on va le voir aussi au fur et à mesure, c'est un des éléments de la discussion. Discuter de transport collectif, de gratuité dans les transports collectifs, discuter de logement. C'est des choix de fond qui ne seront pas. Si on ne paye pas de nom, c'est-à-dire admettons que, admettons que je n'ai pas d'a priori sur ce gouvernement, ce qui est loin d'être le cas, et qu'on ait la volonté de discuter des problèmes, faut discuter des problèmes en profondeur et pas faire cette espèce de one man show qui devient indécent à un moment donné où cette mobilisation continue qu'elle est sévèrement réprimée de manière dramatique et elle ne s'arrêtera pas pour autant parce que derrière ça il y a des choix de société qui ne s'arrêtent pas avec des violences de part et d'autre effectivement oh, euh, oui. du de côté des manifestants et parfois aussi oui, enfin, de le des part des et d'autre pardon de le redire. Pardon de le redire, et d'ailleurs je profite de cette émission pour m'adresser au moins à la gauche sociale et politique et au mouvement ouvrier. Il serait peut-être temps qu'on fasse un grand front unitaire pour lutter contre la répression. Si je lis ce que j'en crois dans certains quotidiens, comme Libération, on parle quand même actuellement de plus de 5000 gardes-à-vue.